Veel vocht, there's a lot of fluid in, so that's the heart. And the thickness of the heart wall thick wall. In this case you see a smaller wall of the heart. Entouré du cœur, et donc du coup ça appuie sur le cœur et ça le rend. Allez, if you look here, it's not more top, more hand, like this. It's a muscle. Mm-hmm. You don't have so much muscle there. Ah, you mean the, yes, the muscle. So the belly. If you want to do surge, pour compenser le volume, c'est-à-dire que pour avoir envoyé toujours autant de sang, la cavité intérieure elle a besoin de grandir, donc le muscle du cœur c'est affiné. Hello. You can breed by temperature and then you get female or male. Yes, I understand. Oh. The high? Yes. Oh, là, je te l'entends le voir. Train glass. Otherwise, you can't see it. Dans les yeux, ça faisait comme un genre de bubé un peu rouge, un peu jaune. En dessous, là, elle n'est pas de la même couleur. C'est là qu'il a fait le prélèvement. D'accord. Look at the muscles on the back. You see the muscles on the back of this fish? They are gone already. Het is eigenlijk te gering al. Moet je van voren nemen. Goed van voren nemen. Zie je de spieren op je rug? Eigenlijk al nalaat. Dat is eigenlijk al een teken dat er toch al energie aan het verbruiken is. Because the fish is taking energy. Mm-hmm. The fish is trying to get his energy. There's no these are round. Green, because on the microscope you see them much easier and much better. Tu vois mieux sur le dos. The mucous cells are this big, but you see there's brown, yellow collections of them together.
And if you have, if you see this on a koi of a customer, always be careful because it might be KHV. Les flavobacterium, tu vois à quoi elles ressemblent, Thomas? Ouais, c'est bâton. C'est des bâtonnets, ouais. Alors il disait qu'elles étaient agglutinées les unes sur les autres. Ouais. Ouais.